Voilà, applaudis ça. Ça convient. Applaudis ça, tu vas bien. Pourquoi tu me regardes comme ça, bien? Allô. Imaginez pas faire un truc à nous. Ça vous fait soit arrêté comme ça, je n'ai pas tout discours, ça va aller. C'est le blanc même que je suis, je n'aime pas maugréer, je n'aime pas les verbiages, la verbologie aussi, c'est mon problème. Je voulais savoir, à la fois, tu m'as parlé de 5000 francs que tu devais remettre en vie, vraiment. Tu as pu lui remettre? Jésus! Tu t'en es pas encore. Je te pose une question. Mais ton problème est où? Non, je veux savoir, c'est juste. Mais ton problème est où? Écoute-moi, nous sommes dans un monde de communication. La communication est très importante. Je ne vais pas cracher sur moi. Mais tu as pu le remettre? Mais si je l'ai remis là, c'est ton problème ou pas? C'est ton problème? C'est pas mon problème. Mais tu as quel problème avec ça? J'ai pas de problème. Je veux savoir si tu as pu le remettre. Mais est-ce qu'il a pris? Ça fait quoi? Ah donc tu veux me dire qu'il a pris? Si je l'ai remis encore, ça fait quoi? C'est parce que la fois dernière, tu m'as demandé où se trouve librement que tu devais le remettre. Tu n'as pas pu me montrer où il est. Il n'était pas là. Voilà, maintenant que je sais où il est, je vais te demander si tu as pu lui remettre. Faut laisser pour toi là, moi j'ai déjà géré. Ah, tu as géré. Non, tu sais que jusqu'à présent, je me suis assis, j'ai cogité, j'ai normalisé, je n'ai pas pu comprendre. Tout savoir, toi, Vibram et toi, vous ne vous entendez pas. Mais subitement, vous êtes devenus des amis. Vous avez enterré la hache de guerre. Et toi, non seulement Vibram te doit 20 250 000. Et toi, tu lui as remis encore 95 000 et après tu allais lui remettre 5 000. Faut que tu éclaircies cette partie. Vous voyez, Jaira, là, c'est faux maintenant. Ça dit tellement que vous êtes sorciers dans le quartier. Vous voulez savoir tout ce que nous faisons. Pourquoi? Ça vous arrange. Abena Moulo Boala, ça donne quoi? Ça donne quoi? Toi et puis Amade, là, vous n'avez pas votre travail. Cherchez le travail, laissez un peu d'hypocrisie là. Vieux Brahma là, c'est pas quelqu'un qui est de méchant. Vieux Brahma, c'est quelqu'un, il est bien. Il est tellement bien. Jusqu'à moi, quand je le vois comme ça, j'ai honte. Mais si ça sort de toi, ça me réconforte. Mais je vais te dire quelque chose. Tu sais, tout ce qu'on fait dans la vie là, ce n'est pas le début qui compte. C'est la fin qui compte. Ah, mais la fin, ça là, ça serait propre. Ce que tu veux savoir là, la fin de ça là, ça sera propre. Abou Gata, moi je suis un ami à toi. Moi, depuis quand toi es mon ami? Non, quand je dis. Non. Depuis quand on est ami? C'est une expression langagière. C'est une expression langagière. Je veux dire quoi? Toi tu es un homme. Moi je suis un homme. Il y a des sens qui circulent dans nos veines. Nous parlons, nous pouvons dire. Là, je ne pense pas que quand tes veines là, il n'y a pas ça qui circule. Ce qui est sur toi, Barik, qui est sur toi, là, ça va se faire. Toi, tu te promets avec quelque chose de comme ça. Et puis, toi, tu veux que tes veines, là, ça n'a qu'à circuler dessus. Moi, mais je me demande même si tu manges. Abou Jessa. Oui, en train de prendre tes dossiers. Oui. Abou Jessa. Je te savais Atali Foufon. Je te savais tête lunaire. Je ne sais pas que tu étais dans la toile. À tantôt. Au lieu de commencer à travailler, vous ne pouvez pas travailler. Vous êtes là seulement, c'est pour vous promener. Gâtez le nom de levier là seulement. Dis vraiment, vous avez fait quoi? Il vous a fait quoi? Voilà l'autre là qui arrive. Voilà Amade qui arrive. Ils sont même chose. Venez, mais au lieu de chercher à travailler, ne travaille pas.